Samedi 2 novembre, chers tous, bienvenue sur l'hippodrome d'Auteuil, le temple sacré de l'obstacle. En ce samedi, on célébrait Halloween. Enfin, je veux dire, qu'Halloween. C'est ça, tu veux une photo, toi ? Spectacle garanti. Animation, décoration, tous les ingrédients étaient là dans le chaudron pour fêter les 48 heures de l'obstacle. C'est un spectacle épique et sportif unique, croyez-moi. Beaucoup de familles étaient présentes sur la butte de Mortemart. Pour nous restaurer, nous pouvions compter sur les Halloween bars, chocolat chaud ou encore jus de citrouille. Les manèges enchantés, les balades à poney, les visites guidées sur l'hippodrome ou encore comment jouer pour la première fois. Chaque enfant déguisé se voyait remettre un petit sac avec des petits cadeaux à l'intérieur. Même les plus petits se sont laissés attendrir sur les chevaux. Bon, même s'ils sont en bronze. Mais c'est l'épreuve phare, le Grand Prix d'automne, un groupe 1. Il est arrivé. Christophe Soumillon, il n'y aurait pas un petit problème? Christophe est un homme de défi. Il souhaite remporter un deuxième groupe sur les haies d'Auteuil. Si Christophe gagne lors du week-end, il reversera une partie de ses gains à l'association des jockeys. Sportif, non? Allez messieurs, en selle. C'est l'heure de gloire. Et c'est James Ripley qui s'est imposé avec Rêve de Sylvain. Alors, tes premières impressions, James? C'est trop bien, ça craque. Les trophées pour les vainqueurs, sous les applaudissements. Voilà les amis, la minute des 48 heures de l'obstacle, c'est terminé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. En tout cas, j'ai eu peur aujourd'hui. Vous avez eu peur, vous? Oui. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je vous embrasse.